La parole est à Alain Carignon. Monsieur le Président, pardon, j'ignorais que ça n'ouvrait pas de débat, mais ça ne fait rien, puisque je crois qu'au fond, notre question orale, elle est d'actualité. Elle a été rédigée il y a 3 ou 4 jours et on ignorait le déroulement de cette séance telle que nous l'avons vécue. Mais nos citoyens, nos concitoyens craignent des conséquences des divisions de l'exécutif et mesurent sur le terrain les effets de ces incohérences. Vous savez que nous avons vécu la situation ubuesque du pont Esclangon entre Grenoble et Fontaine, qui illustre avec éclat cet état de fait. Le pont est ouvert par une commune, Grenoble, fermé par Grenoble, ouvert par Fontaine, alors que la voirie est de compétence métropolitaine. Outre les victimes que sont les usagers de ce pont, l'image même de notre territoire est entachée par ces querelles qui nous détournent des vrais sujets qui concernent les habitants. On a débattu cet après-midi du SMTC, de l'ex-SMTC, et de ce qu'il en est de son déficit. Nous n'avons plus de moyens pour investir, ni pour entretenir un matériel roulant très dégradé, ni également pour faire face à un déficit de la Semitag, aggravé par la période de pandémie. Et aujourd'hui, on a assisté à des amendements qui envisageaient allègrement d'engager des dépenses pour la gratuité. Cette gratuité, dont les coûts ont été indiqués ici, 60 millions si c'est le contribuable, 139 euros si c'est le particulier. Donc l'enjeu aujourd'hui, si vous voulez, c'est de savoir si cet attelage-là va se poursuivre, si ce qu'on a vu, la montée des oppositions qui se sont exprimées cet après-midi va continuer, et si, au contraire, vous allez en tirer les conséquences. Pour nous, les dossiers eux-mêmes de fond sont observés et dans ce contexte, les grands investissements que vous avez prévus, type ceux du siège de la métropole, d'un coût pharaonique, paraît inapproprié au regard de la situation et le rapport de la CRC dont nous avons discuté, j'y reviendrai pas, il énumère tout ce que nous avons à faire et qui n'a pas été fait. Alors, pour nous, il n'est pas possible que la situation se poursuive ainsi. Cet après-midi, alors que le maire de Grenoble a méprisé le Conseil métropolitain en ne s'y exprimant pas, il s'est exprimé à l'extérieur pour indiquer que vous étiez une métropole qui n'avançait plus, qui n'avait plus de projet, n'allait pas dans les secteurs clés, ne suivait pas la grande voie qu'il avait lui-même, enfin que la majorité précédente avait tracée dans les transports collectifs. On sait ce qu'il en est, puisque le bilan du SMTC est établi. On ne peut même pas renouveler le matériel de transport, tellement ce bilan est miraculeux. Et donc on comprend bien qu'il y a une situation politique qui n'est pas supportable. Le maire de Grenoble méprise l'ensemble du Conseil métropolitain, je dirais, peu importe, mais qu'il s'exprime ainsi face à une majorité à laquelle il appartient, nécessiterait que vous en tiriez les conséquences. Donc nous nous faisons aujourd'hui les messagers de nombreux acteurs économiques, sociaux, associatifs, pour vous appeler à vous libérer du poids des chaînes qui vous sont imposées, à ne pas sacrifier les réformes indispensables et les actions urgentes, à ne pas les sacrifier au maintien de cet exécutif et de cette présidence qui ne vont pas tous dans le même sens, au contraire, qui tirent à U et à Dia. Il est possible de faire autrement, Monsieur le Président. On a connu ça dans d'autres assemblées. Il est possible de réaliser des majorités de projets et d'idées qui permettent là de réunir des hommes et des femmes, quelle que soit leur origine et leur sensibilité, pour faire avancer ensemble la métropole. Et il y a des projets que vous pourriez faire adopter par une majorité et d'autres par une autre. Mais c'est ainsi que nous pourrions sortir de la situation dans laquelle nous sommes et qui incontestablement nuit à la métropole elle-même, à son fonctionnement interne et à son image. En somme, pour nous, l'intérêt général, le bien-être des citoyens, l'élan du territoire doivent primer sur les alliances d'intérêts au sein de la majorité telle qu'elle a été constituée à votre élection il y a un an, qui était une élection qui ne correspondait pas, votre élection de président, à la majorité de l'exécutif que vous avez constitué ensuite et qui crée donc cette situation qui ne pourra pas, de notre point de vue, qui ne devrait pas
durer les 5 prochaines années. C'est pourquoi notre groupe, à l'occasion de cette question orale, vous demande si vous allez tirer les conséquences de ces désaccords fondamentaux qui traversent votre majorité et qui sont encore exprimés aujourd'hui, de ces techniques et tactiques politiques qui font que cette Assemblée fonctionne si difficilement, avec ses, comme on l'a vécu, avec sans arrêt ces suspensions de séance, ces amendements et ces vœux, l'absence du vote de votre décision modificative. Une partie de la majorité n'a pas voté votre budget, ce qui est quand même l'acte fondamental d'une majorité. Et ne pas en tirer les conséquences, aujourd'hui, ce serait, à mon avis, maintenir une hypocrisie qui ne devrait pas durer. En tout cas, nous vous appelons, nous, à constituer ces majorités d'idées autour des grands défis qui attendent notre territoire. Et à notre place et à notre niveau, nous serons toujours disponibles pour accompagner ces projets-là. Merci. Je dirais clôturer la séance. En fait, moi, je comprends la sémantique qui est posée derrière tout ça. Peut-être que si j'étais à votre place, je ferais pareil, d'ailleurs. Je dirais la même chose. La réalité des faits, y a-t-il eu une seule décision qui n'a pas été votée ? Toutes les décisions ont été votées, quelles qu'elles soient. Point. Donc celles et ceux qui veulent faire croire que la métropole ne travaille pas, n'avance pas, n'exécute pas ses budgets, n'exécute pas ses décisions, je dirais la preuve en est, c'est qu'elles sont exécutées, elles le font. Dans des conditions de débat, certes, vous avez raison, ce n'est pas une majorité monolithique qui vote, je dirais, au canon les choses. Dont acte. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve, d'ailleurs, à ce sujet. Nous verrons bien. Chacun prendra sa responsabilité. Je le dis ici avec tranquillité. Celles et ceux qui s'expriment à l'extérieur, je répondrai aussi. J'aimerais que les expressions se fassent en face et ne se fassent pas par la presse interposée. Voilà ce que j'ai à dire. Point à la ligne. Je vous souhaite un excellent week-end.